بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir parlé de la guerre dans la Bible, et là encore, bien que nous ayons cité uniquement des textes de l'Ancien Testament, il faut comprendre que la chose, ce que nous avons cité comme patrimoine ou comme écrit religieux ou comme texte fondateur, est le legs commun des Juifs et des chrétiens. Parce que les chrétiens ont eux aussi leur Ancien Testament à travers la Bible d'Alexandrie ou ce qui est appelé communément la Septante. De toute manière, quand le Coran nous parle de la mission de Jésus, il est un peu plus clair à ce sujet. Jésus était porteur d'un enseignement, mais était respectueux et avait pour canon ou pour loi la Torah de Moïse. Wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. Ça veut dire que le christianisme normalement devrait avoir deux livres. Et il en a deux livres. Sauf qu'au lieu d'avoir deux livres qui devraient être l'évangile de Jésus et la Torah de Moïse, il a une addition de livres, une somme de livres appelée Bible chrétienne, et il a aussi une autre somme de livres appelée Bible juive, que les chrétiens appellent Ancien Testament. Alors, ce que nous avons cité est un point commun entre les deux religions, le christianisme et le judaïsme. Aujourd'hui, nous allons parler du combat dans le Coran. Quand vous lisez le Coran, il y a le mot djihad qui revient très très souvent et que nous allons expliquer plus tard et qui s'inscrit dans le sens d'effort ou de faire plus d'effort dans cette notion de combat. Le combat est un terme qui est plus général que le djihad, dans la mesure où le djihad doit se faire avec... en obéissant à une éthique qui est plus rigoureuse, et il a aussi un sens plus large. Il ne peut pas signifier uniquement combat. Mais le combat, contrairement à la notion de djihad, est quelque chose qui peut être mené ou fait pour les choses ayant trait au monde d'ici-bas ou pour les choses qui ont trait à la religion, donc au monde de l'au-delà. Sauf que quand le Coran nous parle du combat, il ne nous met pas dans la logique de Gengis Khan avec son armée qui était en extase là où il y avait une guerre à mener. Non, les musulmans, contrairement à ce que disent certains, ne vivaient pas constamment sous des tentes et passaient d'une ville à l'autre en faisant des razzias. Non, 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 pas du tout. L'histoire... D'ailleurs, ce qui existe actuellement dans le monde, l'Europe telle que vous la connaissez actuellement, est la preuve vivante de... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sadaqa Allahu al-Azim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح، حي على الفلاح، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم La tolérance de l'islam qui, pendant plusieurs siècles, a été une superpuissance qui aurait pu effacer, mais alors effacer à tout jamais, le judaïsme, le christianisme et toutes ces entités européennes qui existent actuellement. Sauf que les musulmans ne l'ont pas fait. Et ça, beaucoup d'historiens non musulmans l'ont démontré. Comment le Coran nous présente-t-il le combat ? Il est dit dans Sourate Al-Baqarah, كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Ici, dans cette bribe de verset, Allah subhanahu wa ta'ala revient à quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. L'homme n'a pas été suscité, il n'a pas été placé sur terre pour livrer bataille à tout bout de champ. L'homme n'a pas été créé pour porter une épée. Il a beaucoup plus d'aptitude à porter un stylo, une plume, un outil avec lequel il va travailler, un balai avec lequel il va nettoyer, plutôt qu'une épée avec laquelle il va combattre des ennemis. D'un autre côté, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, nous dit « La tatamannaw liqa al-adou » Ne souhaitez jamais de rencontrer l'ennemi. « Walakin, idha laqaytumuhu fathbutu » Mais s'il vous venait à rencontrer un ennemi dans une bataille, alors montrez-vous patient, ou bien montrez-vous endurant. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes engagé dans une bataille, il va falloir fournir l'effort nécessaire à cette bataille, en étant, non pas sans pitié, mais en montrant la fermeté la plus totale. D'un autre côté, nous avons dans le Coran, dans Sourate Al-Mumtahana, deux versets qui sont un peu plus clairs sur l'attitude que devrait avoir un musulman envers les non-musulmans. Est-ce qu'il est censé les combattre d'entrée de jeu ou est-ce qu'il est censé avoir avec eux des rapports tout à fait humains? Parce qu'au-delà de la religion, ce qui est commun entre nous et ceux qui ne partagent pas nos convictions, c'est cette humanité, c'est cet ancêtre commun que nous appelons Adam, alayhi salam. Donc normalement, ou du moins si l'on se fie à ce que nous appelons maqasid sharia, et même si l'on se permet un peu d'aller dans une logique qui pourrait être celle de Dieu, bien que nous ne soyons pas habilités à parler de Dieu de la sorte, rien n'indique qu'un musulman doive combattre tous les non-musulmans. Et pour preuve, dans Sourate Al-Mumtahana, le verset 8 nous dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion ou pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. Donc, ce qui nous est demandé, c'est d'être équitable envers ces gens-là, car Dieu aime les équitables. « Antabarruhum tuqsitu ilayhim » C'est ça qui est souhaité. Ensuite, il est dit au verset 9, « Innama yanhakumullahu anilladhina qataloukum fiddin wa akhrajoukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallawhum wa man yatawallahum faulaikahum al-zalimoun » Dieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion ou en religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. C'est-à-dire que non seulement nous n'avons pas le droit d'avoir un comportement bienséant envers ceux qui nous ont montré une certaine animosité,
mais aussi nous n'avons pas le droit d'être leur allié. Le fait d'être leur allié fait de nous des injustes. Et l'injustice ici, c'est la trahison qui pourrait survenir ou émaner de certaines personnes lors d'un conflit avec autrui. Ce que notre pays a connu pendant 132 ans, sinon, et n'eût été justement la trahison, est-ce que les Français auraient pu envahir l'Algérie? Est-ce qu'ils auraient pu s'éterniser ici pendant plus d'un siècle? Normalement, non. Ces injustes envers eux-mêmes et envers leurs concitoyens, ces traîtres qui font que les ennemis, là où ils pénètrent, ils arrivent à s'enraciner. Maintenant, supposons qu'une guerre nous est imposée. Est-ce que nous avons le droit de dévier des valeurs que nous enseigne l'islam? Nous pouvons lire dans Sourate Al-Ma'ida, au verset 8, ce qui suit. « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa iqrabu littaqwa, huwa aqrabu littaqwa, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. » Aux croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite point à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Dieu, car Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Voici l'esprit général dans lequel se fait ou est menée une guerre, quand guerre il y a. Maintenant, revenons au verset de Sourate Al-Mumtahana. « La yanhaakumullahu an illadina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. » Dieu ne vous défend pas d'être équitable et bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Dieu aime les équitables. Sachez que dans ces groupes de laboratoire, ou du moins ce que nous appelons des groupes de laboratoire, qui sont les groupes terroristes, que vous connaissez tous, certains se sont permis de dire que ce verset a été abrogé par d'autres versets du Coran qui incitent au combat des non-musulmans. Et même dans des vieilles exégèses qui remontent à plusieurs siècles, il a dit « وَقِيلَ أَنَّهَا نُسِخَتْ بِآيَةِ السَّيْفِ » le verset de l'épée. Sauf que chacun dit « قِيلَ » il a été dit. Alors que nous sommes une nation, dites la nation du Sanad, la nation de la chaîne de transmission. Quand quelqu'un dit quelque chose en religion, il doit avoir impérativement ou s'appuyer impérativement sur un texte fondateur ou sur un avis des premiers musulmans, des pieux prédécesseurs, Salaf Salih. Or, il n'y a pas de verset de l'épée dans le Coran. Il y a des versets qui parlent justement d'une certaine, on va dire, sévérité ou fermeté pendant les combats, mais les versets, de manière générale, incitent beaucoup plus à aller vers l'autre qu'à le combattre. Et puis, il y a aussi, dans les versets que nous avons cités, le fait de ne, même si une guerre est imposée, même si on a été attaqué, on ne va pas se venger pour nous-mêmes. S'il y a lieu de se venger, on se venge pour la vérité. Et puis, notez encore une chose. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans la communauté de l'islam, dans la mesure où, jusqu'à présent, nous avons des gens qui nous parlent de « ard l'islam » et « ard l'kufr ». Alors que l'imam Shafi'i, nous l'avons déjà dit, parlait de « ard l'mu'ahada ». La maison du pacte. Nous sommes dans le pacte, nous sommes dans l'obligation d'aller plutôt dans ce sens que dans le sens de l'animosité envers les autres. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.